Bonjour à tous et bienvenue dans dans cette visioconférence qui va parler donc de la question climatique et en particulier de la Chine. La Chine peut-elle sortir de ses contradictions? Voilà le thème de notre débat de ce soir. Je m'appelle Jean-Isidre Bormann. Je suis le directeur d'Asialis, qui est l'un des sites de référence, je dois dire, sur toute l'Asie, de Tokyo à Islamabad, avec l'INALCO. Nous sommes très heureux donc de vous présenter aujourd'hui cette visioconférence. Aujourd'hui, nous avons le plaisir d'en discuter avec nos intervenants, bien sûr avec Jean-François Huchet, sinologue, économiste et président de l'INALCO. Nous avons aussi avec nous Hubert Testard, qui est enseignant à Sciences Po et ancien diplomate en Chine notamment. J'y reviendrai. Liu Hongqiao, bienvenue à vous aussi. Vous êtes journaliste chinoise indépendante, basée en France, spécialisée sur la question climatique. Nous avons beaucoup de chance de vous avoir avec nous. Et évidemment, Nathalie Bastianelli, bienvenue à vous aussi, fondatrice du forum We Belong, cette ONG qui encourage l'innovation durable auprès des entreprises et qui travaille sur la Chine en particulier. Je dois dire aussi que Baptiste Falvaux, journaliste à France 24 et pour Asialiste, sera notre modérateur et le réalisateur de cette visioconférence. Cyrielle Cabot, journaliste indépendante et membre d'Asialiste, s'occupera des réseaux sociaux avec Sonia Lecomte pour le compte de l'INALCO. Alors, malgré l'actualité qui est assez difficile pour nous tous, qui est dominée évidemment par cette pandémie du Covid-19, eh bien la question du changement climatique revient petit à petit en force. Joe Biden, dès son entrée à la Maison-Blanche, a ramené les États-Unis dans l'accord sur le climat, l'accord de Paris, évidemment. Il va d'ailleurs s'exprimer aujourd'hui depuis Washington pour présenter son plan climat. Joe Biden qui va afficher ses intentions de remettre l'Amérique dans la lutte contre les dérèglements du climat. Et la Chine, évidemment, n'est donc plus la seule des deux superpuissances mondiales à prétendre au leadership en matière de climat, comme c'était le cas depuis ces 4 dernières années d'administration de Donald Trump. Alors, c'est le moment que nous avons tous choisi, Asialiste et l'INALCO et nos intervenants, pour faire le point sur les politiques climatiques de Pékin, sur ses contradictions, mais aussi sur comment la société chinoise, l'opinion publique en Chine, les ONG évoluent sur la question du climat, tout comme les entreprises de ce pays. Nous y reviendrons. Alors, commençons avec vous, Hubert Testard. Je rappelle que vous avez été chef de la mission économique de l'ambassade de France dans plusieurs capitales asiatiques, d'Asie du Nord-Est et en Chine, à Pékin en particulier. Vous êtes enseignant aujourd'hui à Sciences Po, vous êtes basé à Paris. Ma première question, quelle est l'évolution des émissions de CO2 par la Chine et leur poids dans le total mondial des émissions de gaz à effet de serre? Oui, mais merci beaucoup de me donner la parole et de m'associer à cette conférence sur la Chine et le climat qui va être certainement très intéressante. Pour expliquer où en est la Chine, je dirais qu'on peut prendre une analogie avec les montagnes russes. C'est-à-dire qu'on commence par monter très fort, une pente raide, on arrive ensuite à un sommet, et puis ensuite on dévale la pente. Et Xi Jinping voudrait dévaler la pente jusqu'à zéro en 2060. Le problème, c'est que pour l'instant, on est en train de continuer à monter la pente. Donc là, vous avez là où était la Chine en 1990 en termes d'émissions de CO2, donc un peu plus de 10% des émissions mondiales et 40% des émissions asiatiques. Bon, maintenant, si vous prenez le panorama de 2019, alors on saute à 2019. Voilà, on arrive à 2019. Donc, vous voyez qu'on est passé de 10 en fait à un peu plus de 30% des émissions chinoises et que la part de la Chine en Asie dans les émissions asiatiques est passée de 40 à 60%. Donc, en gros, la Chine explose en termes d'émissions. Alors, j'ai pris là les émissions de CO2 parce qu'elles sont celles sur lesquelles on a les infos les plus récentes, mais sur l'ensemble des gaz à effet de serre, c'est à peu près la même tendance. Voilà. Alors, qu'est-ce qui s'est passé cette année, enfin l'année dernière en 2020? Bon, la Chine a fait quand même une croissance économique, donc ces émissions ont été un peu réduites, mais pas beaucoup, beaucoup moins que la moyenne mondiale. Et en 2021, elle va avoir une croissance très forte, donc ces émissions vont de nouveau bondir.
on va se retrouver fin 2021 probablement à 33%, un tiers des émissions mondiales. Pour résumer à très grands traits, c'est que la Chine, il y a 30 ans, c'était 10% des émissions mondiales. En 2019, c'est 30%. Et là, à la fin de cette année, ça va être un tiers. Donc, c'est quand même la Chine qui fait à elle seule une progression colossale des émissions mondiales. Pour prendre un exemple, en 2019, la progression de la Chine représentait plus que le total des émissions françaises. Vous voyez, pour vous donner les ordres de grandeur. Donc ça, c'est la tendance actuelle. Maintenant, il y a évidemment des engagements du gouvernement chinois pour redresser la barre. D'accord. Alors, on peut regarder peut-être le mix énergétique, si tu veux, Joris. Bien sûr. Mais pour continuer à préciser les bases de ce débat sur le climat, il faut bien sûr parler du mix énergétique chinois. Et là, c'est toujours, Hubert, le charbon qui domine. Oui, c'est toujours le charbon qui domine. Alors, il domine un peu moins qu'avant. On était à plus de 70%, on est tombé à un peu moins de 60%. Ça reste énorme, le charbon fait encore les deux tiers, par exemple, de la production électrique chinoise. Et on avait eu l'impression que ça baissait significativement après 2013. Mais en fait, on est reparti dans l'autre sens. Et maintenant, on est revenu pratiquement au niveau de 2013, c'est-à-dire qu'on revient au pic de la demande charbonnière chinoise, parce que la Chine a lancé toute une série de nouvelles centrales à charbon au cours des deux ou trois dernières années. Donc on n'est pas du tout sorti de l'addiction au charbon qu'a la Chine, qui représente, je le rappelle, la moitié de la production mondiale de charbon. Alors, autre question, je voudrais qu'on voit maintenant les engagements de la Chine contre le changement climatique. Quels en sont les temps forts ? Voilà. Alors, je dirais que peut-être l'élément le plus fort des derniers mois, c'est la déclaration de Xi Jinping à l'Assemblée générale des Nations unies, puisqu'il s'est engagé pour une neutralité carbone à l'horizon 2060. Bon, 2060, c'est 10 ans plus tard que les Européens ou d'autres, mais c'est quand même très fort d'avoir un engagement de neutralité carbone pour un pays en développement comme la Chine. Donc ça, c'est l'engagement le plus fort, mais c'est un engagement de très long terme. Donc la question, c'est est-ce que les engagements de plus court terme sont en ligne avec ça. Et pour l'instant, ce n'est pas évident. On est plutôt dans une évolution, une progression des engagements, mais pas une révolution. Donc, à mon avis, on est très loin d'être encore à un niveau qui permet d'être sûr que la Chine va aller vers cette neutralité carbone en 2060. Donc, ça se voit sur l'efficacité énergétique. Ils ont pris des engagements, ils améliorent l'efficacité énergétique, mais on est encore à des niveaux d'engagement assez flous en fait sur l'avenir. Pour les énergies renouvelables, ils sont plus ambitieux dans les engagements, mais malgré tous les efforts faits, malgré tous les investissements faits, on n'est encore qu'à 13% aujourd'hui de la demande d'énergie primaire en Chine qui est faite avec du renouvelable. Donc c'est quand même encore assez limité. Il faudra encore investir encore énormément dans l'énergie renouvelable pour changer le tableau. Alors, est-ce qu'on peut revenir justement sur ces engagements ? Vous avez choisi de parler les engagements pris par la Chine sur le climat en 2009, en 2015 et en 2020. Et qu'est-ce qu'on peut dire justement de ces trois temps forts ? Oui, alors 2009, c'est le moment où les Chinois annoncent, je dirais, pour la première fois des engagements climat précis. Ils n'avaient pas fait précédemment parce qu'ils n'étaient pas obligés de le faire. Dans la convention de Kyoto, c'était les pays développés qui prenaient des engagements, pas les pays en développement. Donc là, en 2009, la Chine, je crois que c'était la conférence de Copenhague, si je me souviens bien, décide de faire des annonces relativement ambitieuses sur l'efficacité énergétique, notamment. Ensuite, en 2015, au moment de la convention de Paris, elle va plus loin dans les annonces, donc dans les engagements, et là, elle s'engage à l'horizon 2030. Donc en 2009, c'était à l'horizon 2020. Là, maintenant, on est à l'horizon 2030. Et puis, très récemment, à l'occasion du 5e anniversaire de la Convention de Paris, elle a fait des annonces supplémentaires. Donc, vous voyez la progression. Si je prends, par exemple, les énergies renouvelables, en 2009, elle s'engageait à 15% de part du renouvelable dans la demande d'énergie primaire. Ensuite, en 2015, elle s'engage à 20%, et puis là, elle vient de s'engager à 25%. Alors, ça n'a pas l'air énorme, passer de 20% à 25%, mais ça demande quand même des investissements tout à fait colossaux. Très bien. Donc, c'est quand même sérieux si on compare les engagements chinois, par exemple, à ceux de l'Inde ou d'autres grands pays en développement d'Asie. C'est-à-dire ?
Ben, par exemple, les Indiens sont beaucoup moins ambitieux dans les engagements qu'ils ont pris, notamment sur l'efficacité énergétique. Ils sont beaucoup moins précis aussi. Donc la Chine a quand même fait de gros efforts pour être plus précise et plus complète dans ses engagements. Mais elle garde des marges de manœuvre. Donc quand elle dit, par exemple, on va atteindre un pic d'émissions avant 2030, on aurait bien aimé qu'elle dise, par exemple, en 2025 ou en 2024. Mais elle s'est contentée de dire avant 2030, ce qui reste vague. Et avant 2030, si ce n'est pas 2025, c'est, je dirais, un peu trop tard. Alors, on commence à bien savoir que les grands engagements de la Chine en matière de climat depuis 10 ans, merci Hubert Testard, mais pour être plus précis, comment se sont structurées ces politiques climatiques? Et c'est la question que je vous pose, Jean-François Huchet, vous qui êtes l'auteur d'un livre sur la crise environnementale en Chine. Alors, il faut bien voir, pendant longtemps, il n'y a pas eu de politique, hein, véritablement. Hubert vient de le dire. Ça a vraiment commencé à partir du sommet de Copenhague avec un certain embarras, hein, de la part des autorités chinoises, puisque la Chine a dépassé les États-Unis en termes d'émissions de CO2 à peu près à ce moment-là, voire peut-être même un petit peu avant. Et donc, il était difficile pour la Chine de continuer à jouer sur ce statut de pays en voie de développement qui n'avait pas d'obligation dans le protocole de Kyoto. Et on l'a vu, ça a amené effectivement la Chine en 2014, en décembre 2014, de faire une déclaration avec le président Obama pour s'engager justement jusqu'en 2030. Pourquoi pas de politique? Bien, tout simplement parce que, comme on l'a dit tout à l'heure, le charbon était au centre et le reste encore au centre de la politique, en tous les cas, de ressources énergétiques de la Chine. On a à peu près le même mix énergétique entre 78 et 2014, sauf que la consommation a littéralement explosé, puisque je rappelle que la Chine brûle à peu près 4,2 milliards de tonnes de charbon, c'est-à-dire plus que le reste du monde. Alors, elle dispose aussi des troisièmes réserves les plus importantes au monde, et même au rythme actuel, hein, donc, eh bien, on estime que la Chine pourrait encore avoir pendant 2 siècles des ressources en charbon disponibles pour ce niveau de consommation. Il était difficile également d'avoir une politique parce que sur le plan intérieur, pendant très longtemps, on va dire le dispositif existant pour lutter contre les dégradations environnementales ou tous les excès que la Chine connaissait ou connaît encore, eh bien, était le dispositif administratif était très peu efficace. On avait un ministère qui était, enfin, qui n'avait d'ailleurs pas le rang de ministère pendant très très longtemps. Il a fallu attendre la fin des années 2000 pour avoir un ministère de l'environnement. Et puis surtout, on avait sur le plan local, eh bien, des bureaux locaux environnementaux qui étaient très largement inféodés aux autres administrations qui étaient plutôt pro-développement industriel. Et qui n'avait véritablement pas vraiment beaucoup de poids, hein. Également une législation qui favorisait en fait le paiement des amendes, qui n'était pas très cher à l'époque, et donc ben, on continuait à polluer allègrement. Et puis par ailleurs, c'est constitué des lobbies extrêmement importants dans certaines régions qui notamment produisaient le charbon. Et des firmes également très importantes qui ont eu elles aussi, un poids important sur le gouvernement. Il faut, je crois, toujours se garder et prendre conscience de la masse des chiffres en Chine, hein. On construisait à peu près une usine, une centrale thermique de très grande dimension, c'est-à-dire de 1000 mégawatts, une centrale et demie. Toutes les semaines entre 2006 et 2009. Et puis ensuite, ça a un peu ralenti. C'était trois centrales thermiques de cette taille à peu près entre 2009 et 2013. Donc c'est colossal, hein. Hubert l'a dit, je crois, tout à l'heure, mais je crois que à partir de 2006, on installait l'équivalent du parc industriel français d'électricité tous les ans, hein. C'est quand même colossal.
Alors, les changements sont vraiment intervenus, je dirais, à partir de 2013-2014, pour des raisons qui tiennent à la détérioration de la qualité de l'air, hein, principalement. C'est donc des raisons internes, principalement, même si, d'un point de vue international, la Chine a capitalisé sur la nécessité de changer des choses en interne et donc à essayer de promouvoir une autre image, ce qui lui a permis de gagner des points sur le plan international. Mais c'est surtout effectivement cette incapacité pour la Chine de continuer sur le rythme de pollution de l'air qui touchait les grandes villes chinoises à partir de 2013. On parlait d'épisodes de Airpocalypse, notamment sur les villes du Nord et notamment sur Pékin. Donc, on a mis en place toute une série de politiques. Alors, il y a effectivement la promotion des énergies renouvelables, dont a parlé Hubert tout à l'heure. On a également ciblé plus précisément le charbon avec l'introduction aussi de nouveaux types de centrales thermiques, ce qu'on appelle les centrales supercritiques ou même ultra-supercritiques, qui utilisent des technologies qui sont plus efficaces dans l'utilisation de la même quantité de charbon en matière de valeur énergétique. Et puis, on a favorisé également les techniques de lavage du charbon qui réduisent la quantité de cendres qui sont émises au moment de la combustion et qui élèvent aussi la valeur calorifique du charbon. On a mis également en place des bourses régionales en matière d'émissions de CO2 avec des résultats, on en parlera tout à l'heure, plus ou moins heureux. On a également fixé des quotas de réduction d'utilisation du charbon pour les provinces, à peu près 650 millions avaient été de réduction de tonnes de charbon avaient été fixées entre 2013 et 2017. Et puis, on a aussi beaucoup fermé ou déplacé également des capacités industrielles, y compris des centrales à charbon. À Pékin, notamment, on a fermé un certain nombre de centrales à charbon, mais on a déplacé aussi des capacités industrielles. Encore une fois, à Pékin, par exemple, les aciéries de Shougang, qui étaient à la sortie de Pékin vers l'ouest, ont été déplacées. Donc, on a également essayé, dans certains grands centres urbains, de déplacer ces capacités industrielles qui étaient très voraces en énergie et notamment en charbon. Voilà, grosso modo, un peu l'évolution interne très très rapidement. Qu'est-ce qu'on peut dire des résultats de ces politiques? Quels sont les résultats obtenus, Jean-François Huchet? Alors, là où peut-être les résultats sont les plus efficaces, je dirais, c'est certainement ce qu'a déjà évoqué Hubert, c'est-à-dire la grosse progression des énergies renouvelables. Alors, on a eu, à un certain moment donné, vers 2015-2016, Hubert l'a dit aussi, on a eu l'impression qu'on était arrivé vraiment à un plateau en matière de consommation de charbon, notamment. Et qu'on allait certainement atteindre un pic beaucoup plus tôt que 2030. Et on avait même constaté que le supplément d'électricité qu'il fallait produire pour répondre à la croissance économique, eh bien, pouvait être accompli non plus en augmentant les énergies fossiles, mais en se basant sur l'augmentation en fait de la production des énergies renouvelables. Alors on prenait ça comme des signes très encourageants aux alentours de 2015-2016. Et puis après on s'est rendu compte progressivement que à chaque relance de l'économie, en fait, on avait affaire à une relance de type conventionnel. Et quand je dis conventionnel, qui porte sur les infrastructures, l'immobilier. Et donc avec beaucoup de production de ciment, beaucoup de production d'acier, d'industrie lourde, et donc derrière encore beaucoup de production énergétique, et notamment d'électricité produite à partir du charbon. Et on a constaté ça avec voilà, des petits
sous brosseau, on va dire, mais globalement, on est resté sur un plateau. Et puis même, depuis maintenant la fin de la pandémie en Chine, on constate que la consommation de charbon recommence à augmenter un petit peu. Alors, de manière pas aussi forte, bien sûr, que dans les années 2000, mais on a du mal, en fait, à voir cette consommation baisser. Et il faut bien voir que si le mix énergétique s'améliore, la combustion de charbon par an reste sur ce plateau extrêmement élevé qui est au-dessus, à peu près un peu plus au-dessus de 4,2 milliards de tonnes de charbon. Donc, je crois qu'il faut quand même relativiser. Alors, après, il y a aussi, ce qu'il faut voir, c'est que les engagements chinois pour 2030 se fondent plutôt sur une stratégie, on va dire, du business as usual, c'est-à-dire qu'on ne fait pas d'efforts. On fait beaucoup d'efforts, mais on ne fait pas des efforts qui vont au-delà de ce qui peut être prévu, qui est déjà beaucoup, certes, mais on a l'impression que pour la Chine, elle savait déjà, quelque part en 2014-2015, qu'on allait atteindre, je dirais presque naturellement, un pic en matière d'émissions de CO2 avec l'évolution du mix de son économie, hein, qui quand même évolue progressivement vers les services, et donc avec moins d'industrie lourde, moins de nécessité de produire d'électricité. Donc, tout ça, bien sûr, va avoir des conséquences, mais on en reparlera tout à l'heure pour le futur, bien sûr, parce que c'est quelque chose de très important. Le remplacement des anciennes centrales à charbon par des nouvelles centrales à charbon marque le pas quand même, même si en Chine, on sait très bien que les nouvelles technologies sont introduites de manière très, très rapide. Et puis surtout, on a aussi une exportation hein, par l'intermédiaire des investissements qui sont réalisés via les nouvelles routes de la soie. On a un déplacement par moment aussi des problèmes à l'extérieur des frontières de la Chine. Voilà, alors ce qui paradoxalement pourrait faire baisser l'utilisation du charbon beaucoup plus rapidement qu'on le pense, c'est la question de l'eau, parce que l'eau est absolument critique dans l'industrie du charbon. Et simplement pour vous donner un chiffre, on estime qu'à peu près 15% de l'utilisation des ressources d'eau douce en Chine est le fait de l'industrie du charbon, tant par son extraction que par la production principalement, ou l'utilisation du charbon dans les procédés industriels ou de fabrication d'électricité. Donc, globalement, on dirait des quelques résultats quand même, bien sûr, mais on reste à un plateau et à un niveau de consommation de charbon. Je n'ai pas parlé du pétrole qui lui aussi reste quand même assez important. Donc, tout ce qui est énergie fossile reste quand même à un niveau extrêmement élevé avec des conséquences sur l'air. Justement, Jean-François Huchet, peut-être pour résumer, un peu développer ce que vous êtes en train de dire, qu'est-ce qu'on peut dire de ces contradictions justement dans ces politiques climatiques de la Chine, de ces ambivalences, quelles sont-elles, comment les résumer, qu'est-ce qu'il faut comprendre? Ben, en fait, on va avoir, je dirais, c'est un peu les conclusions que j'avais essayé de tirer dans mon livre, c'est qu'on va avoir encore pendant de longues années une Chine verte et une Chine brune qui vont coexister avec une espèce de schizophrénie entre ces deux situations où il y a quand même une Chine qui continue d'être extrêmement, qui continue à polluer beaucoup. Avec des conséquences en matière de santé publique qui sont désastreuses, même si effectivement il y a des améliorations considérables qui sont faites dans un certain nombre de domaines, et je pense en particulier à l'air qui s'améliore, mais on va quand même continuer à avoir des dégradations très importantes dans bon nombre de domaines. Et puis, à côté de ça, on a une Chine verte qui est, je dirais, qui va de l'avant aussi par nécessité, parce que la Chine brune ne peut pas continuer à dominer le modèle de production de la Chine qui a atteint, je dirais, presque des limites physiques hein, en matière de développement industriel et de manière, sur le plan de son empreinte environnementale. Et donc, on a une Chine qui investit énormément dans les industries vertes et qui essaye de réduire en fait, l'impact des dégradations environnementales. Donc, on a ces deux Chines et
Sur le plan international, il va de soi que la Chine essaye de tirer parti, bien sûr, des efforts considérables qu'elle est en train de réaliser dans ce qu'on peut appeler la Chine verte. Et elle essaye, bien sûr, de valoriser ça sur le plan international. Alors, Jean-François Huchet, d'abord, je voudrais dire qu'on est presque 200 participants à cette visioconférence, donc je me réjouis et bienvenue pour ceux qui sont arrivés en cours de route. Et j'en profite pour donner la parole en tout cas, me faire la voix de deux questions de participants. La première question, c'est celle de Lambert Girardeau qui dit: Bonsoir, l'hydraulique ne représente que 4% du mix énergétique chinois. Elle possède néanmoins un très fort potentiel à ce niveau, malgré les changements observés dans l'ouvrage de Monsieur Jean-François Huchet. Dans cette optique de verdissement, entre guillemets, écrit Lambert Girardeau, verdissement du mix, peut-on imaginer une accentuation du poids de la politique hydrique chinoise à l'échelle régionale, en dépit des relations de voisinage, bassin versant du Mékong ou lac Balkhash? Jean-François Huchet. Bah, pour le Nord, ce sera très, très compliqué. Pour tout l'acide hydrique qui est considéré hydraulique, sera, je pense, assez difficile, voire On a un petit même problème de connexion impossible. avec vous. Oui. Par contre, Voilà, est-ce que vous pouvez ça va mieux recommencer là? votre phrase parce que vous étiez au Oui. ralenti il y a quelques secondes? D'accord. Alors, si vous m'entendez, c'est bon là? Allons-y, c'est parti, c'est reparti. D'accord. Donc, je disais que pour tout le nord de la Chine, l'exploitation supplémentaire de ressources hydrauliques paraît très peu probable parce qu'on a un stress hydrique très important pour tout le nord de la Chine. Alors, par contre, sur le sud de la Chine, on va dire au sud du fleuve bleu, on peut effectivement envisager une augmentation, mais qui ne sera pas trop importante parce qu'il y a ces relations de voisinage qui ont été effectivement soulevées par l'auditeur. Et on voit déjà qu'il y a des pays qui se plaignent de l'utilisation d'un certain nombre de fleuves comme le Mékong, le Brahmapoutre. Voilà. Et puis il y a ces ouvrages gigantesques qu'on a fait. Le barrage des Trois Gorges qui montre aussi un certain nombre de limites. Et puis, on a déjà beaucoup construit en Chine de barrages avec des implications sociales qui sont nombreuses, avec des déplacements de population. Et ce qui était faisable très certainement dans les années 50-60 sur ce plan, voire même jusqu'aux années 90 avec le barrage des Trois Gorges, aujourd'hui est peut-être moins faisable. Donc, on peut avoir une utilisation plus importante, mais avec des contraintes qui sont quand même fortes. Donc, il ne faut pas imaginer l'industrie, enfin, en tout cas, les ressources hydrauliques pouvoir prendre le relais autant que d'autres énergies vertes qu'a mentionné tout à l'heure Hubert. Alors très bien, une question justement pour vous, Hubert Testard, de la part de Daniel Tanureau, qui demande: quelle est la part des émissions de CO2 chinoises imputables aux émissions liées aux exportations vers les pays développés et comment évolue-t-elle? Oui, alors ça, c'est effectivement la question de quelle est la responsabilité des Occidentaux, si je comprends bien, dans les émissions chinoises, puisque ces exportations vont vers notamment les pays développés. En fait, quand on regarde les chiffres, la différence n'est pas énorme. C'est-à-dire qu'entre les émissions globales chinoises, si on enlève, disons, la part qui va à l'exportation moins celle de l'importation, enfin, si on prend après le solde import-export, on a une différence qui est de l'ordre de 10% à peu près. Donc, ce n'est pas colossal. C'est un peu mieux, ça améliore un petit peu le bilan chinois, mais ça ne le change pas fondamentalement. Et il faut noter que la Chine a maintenant, contrairement à l'Allemagne par exemple, est beaucoup moins exportatrice nette. Donc, en réalité, à travers ses importations, elle importe aussi des émissions de gaz à effet de serre. Hein. Donc, y a pas, ce n'est pas un facteur vraiment discriminant de différence pour moi.
D'accord, très bien. Alors, avant d'aborder le sujet du point de vue de la société avec Liu Rongtia et avec Nathalie Bastianelli, une dernière question pour vous, Jean-François Huchet, c'est évidemment la question de l'avenir. Quels sont les enjeux à venir, notamment quel sera l'impact de la guerre commerciale sino-américaine qui, évidemment, n'est pas terminée avec l'arrivée au pouvoir de Joe Biden à Washington. Quel impact donc de cette guerre commerciale sino-américaine sur la politique climat de la Chine? Oui, alors, je pense que c'est un élément un peu conjoncturel. Alors, on a à nouveau des problèmes de connexion, c'est un peu lent. Et pour les grands engagements que la Chine a pris, c'est-à-dire neutralité carbone, je pense que... C'est revenu. Allez-y, c'est revenu. Bon, excusez-moi. Donc, je vous disais que dans les questions de la guerre commerciale et des relations sino-américaines sont des éléments conjoncturels par rapport aux engagements qui ont été pris par la Chine pour 2060 ou 2030. Hein. Donc, et si on revient à ces questions, je crois qu'il va falloir regarder beaucoup de facteurs. D'abord, l'évolution... je dirais, du mixte de l'économie chinoise, à quel rythme l'économie chinoise va passer vers les services. On a une, je dirais, une résilience de l'industrie qui est quand même très forte et depuis très longtemps. La Chine se situe, pour ce niveau de développement, à un niveau de son industrie dite secondaire, donc de son secteur secondaire, qui est quand même très haut malgré les niveaux de développement du revenu par tête. Donc ça, c'est un premier point. Par ailleurs, il y a des données structurelles que la Chine va avoir du mal à éviter. C'est la poursuite de l'exode rural. On a encore, selon les chiffres, peut-être entre 200 et 300 millions de personnes qui vont arriver encore dans les villes avec des modes de consommation qui sont... on n'a pas réussi à renouveler complètement avec la nécessité de les loger, d'achat de voitures, sur les questions aussi d'alimentation qui, on le sait tous, influencent aussi bien sûr la consommation énergétique. Peut-être 2030, effectivement, un pic va être atteint, peut-être un peu avant. Je pense, en tous les cas, que pour la neutralité carbone en 2060, même si on est très très, très loin, pour prédire et pour voir ce qui peut se passer d'ici bien sûr 40 ans, je pense qu'on en est vraiment encore très très loin pour la Chine et qu'il s'agit plutôt là d'une déclaration d'ordre politique à l'échelle internationale. Et notamment lorsque Trump était encore président, pour apparaître justement comme le bon élève sur le plan international. Donc, ce qui est intéressant avec le retour des États-Unis sur la scène environnementale, c'est peut-être le fait que cette question de l'environnement, des négociations climatiques, va être peut-être le point qui permettra, en tout cas aux deux pays, de renouer un dialogue. Un dialogue qui est très incertain parce qu'il y a beaucoup d'éléments perturbateurs. On avait discuté déjà lors d'une précédente conférence des éléments politiques, technologiques qui risquent à un certain moment donné de brouiller la communication. Mais on peut espérer effectivement que sur les questions environnementales, il y ait une surenchère quelque part de part et d'autre des États-Unis et de la Chine pour apparaître comme le leader, qui soit bon pour la planète et bon également pour rentrer dans un cercle un peu plus vertueux, qui pourrait aussi, je dirais, entraîner d'autres pays. Donc ça, c'est plutôt bien. Ceci étant dit, je crois qu'il ne faut pas avoir trop d'attentes au-delà de ce que va faire la Chine sur le plan intérieur. En fait, pour plein de choses, en tous les cas, les évolutions chinoises tiennent avant tout des évolutions intérieures de la Chine et des nécessités intérieures de la Chine. Et alors justement, sur ces nécessités en matière d'enjeux d'avenir, d'innovation d'avenir, on parle beaucoup de l'hydrogène en Europe, en Allemagne, et la France qui tente de suivre un tout petit peu. Est-ce que l'hydrogène, c'est l'énergie verte d'avenir? Est-ce qu'il y a un plan hydrogène qui se prépare en Chine? Oui, bien sûr, il y a beaucoup de...
de recherche et beaucoup de sont canalisés dans ça. Ah, donc je crois que c'est encore instable. Vous m'entendez? Alors, on ne vous a pas très bien entendu. Il y a eu un petit ralentissement. Est-ce que vous pouvez répéter cette réponse? D'accord. Excusez-moi. Ma ligne est peut-être un peu instable. Oui, je disais qu'il y a beaucoup de financements qui sont canalisés dans la recherche pour le développement de tout ce qui serait lié à l'énergie et lié à l'hydrogène. Ceci étant dit, ça reste encore pour l'instant de l'ordre des laboratoires, de la recherche, et on ne sait pas véritablement quand est-ce que ça pourrait prendre le relais, et en tous les cas, ça va mettre encore beaucoup de temps. Les prévisions quand même les plus sérieuses qu'on a montrent bien que jusqu'à 2040, 2050, la Chine va rester encore globalement sur une consommation extrêmement importante d'énergie fossile, et notamment rester sur ce plateau que j'évoquais tout à l'heure, aux environs de 4 milliards de tonnes de charbon brûlé chaque année. Donc ça, je veux dire, ça a des effets physiques, même si le mix énergétique évolue, ça a des effets quand même physiques qui sont identiques. D'accord. Alors, d'ailleurs, un de nos participants me fait préciser que l'hydrogène n'est pas une énergie, une source d'énergie, mais un vecteur d'énergie, évidemment, qu'il faut consommer de l'énergie pour produire de l'hydrogène. Une question pour Hubert Testar. Beaucoup de participants à cette visioconférence, vous êtes toujours 200, posent la question du nucléaire. Quel est le rôle de l'énergie nucléaire justement dans ce mix énergétique? Est-ce que c'est l'énergie de l'avenir? Est-ce que la Chine compte dessus pour avoir un impact positif sur le climat? Voilà, vous m'entendez là? C'est bon, c'est réactivé. D'accord. Bon, alors avant de parler du nucléaire, je voulais juste, puisque j'avais cherché à intervenir à l'instant sur cette histoire de relations entre les États-Unis et la Chine, je crois qu'il ne faut pas oublier que le leader mondial, ce n'est ni les États-Unis ni la Chine, c'est l'Europe. Que l'Europe est de très loin le leader mondial en matière de lutte contre le changement climatique. Elle est la seule région du monde qui a baissé considérablement ses émissions depuis 20 ou 30 ans, et elle est celle qui a les engagements de loin les plus importants avec le Green Deal européen du moment. Donc Joe Biden, ce qu'on attend de lui, c'est qu'il démontre que les États-Unis sont capables d'être sérieux, et une fois qu'il l'aura démontré, on pourra peut-être parler de leadership américain, mais pour l'instant, ce n'est vraiment pas le sujet, quoi. Le sujet, c'est simplement de convaincre les États-Unis de enfin commencer à faire quelque chose de sérieux en matière de climat, c'est rien de plus. Donc moi, je parlais de leadership américain en ce moment sur le climat, c'est un peu une plaisanterie pour moi. C'est prématuré. Donc, alors si on revient sur la part du nucléaire, justement, dans les... Oui, alors maintenant, sur le nucléaire, en fait, le nucléaire est évidemment important pour la Chine. Ça représente à peu près 4% de la demande énergétique chinoise. 4%, c'est en fait déjà beaucoup. Et donc, c'est le premier pays au monde en termes de programme nucléaire actuellement dans le monde. Bon, vous savez que les Chinois ont su lancer la troisième génération nucléaire avant nous, même si c'était sur la base d'une technologie française. Donc, ils ont un programme très actif, ambitieux, et qui a un rôle dans le mix énergétique chinois, incontestablement. Donc, je parlais de 13% pour les énergies renouvelables, mais il y a aussi 4% pour le nucléaire, donc ça pèse dans la balance. Ceci dit, bon, 4%, c'est 4%, ça ne va pas changer le panorama global. Donc même si les Chinois sont très actifs en matière nucléaire, ça ne peut pas permettre de modifier fondamentalement le mix énergétique chinois, ça aide simplement à assurer une transition. Alors, merci. Alors, jusqu'à présent, dans cette visioconférence, merci encore de la suivre à tous. On a parlé de la question climatique en Chine du point de vue du gouvernement chinois, la stratégie du gouvernement chinois. Je vous propose maintenant qu'on s'intéresse à cette question du point de vue des médias chinois, en particulier les médias non officiels et des réseaux sociaux, des perceptions de la jeunesse à travers ces réseaux sociaux chinois. C'est là que nous avons besoin de vos éclairages, Liu Hongqia. Bienvenue à nouveau. Je vous rappelle que vous êtes journaliste indépendante, vous êtes basée en France, vous avez travaillé pour des médias chinois, pour des ONG internationales. Vous travaillez notamment pour le site Carbon Brief, qui est un site d'information britannique
indépendant qui est spécialisé sur le climat au niveau des connaissances scientifiques comme des politiques en matière donc climatique. Alors, ce soir, Liu Hongqiao, vous allez répondre à mes questions en anglais. Vous vous sentez plus à l'aise. Alors, d'habitude, on ne mélange pas deux langues sans traduction simultanée. Mais voilà, avec Asialist, avec l'INALCO, avec, nous avons pensé que pour vous tous qui nous regardez, vous êtes 200, eh bien, ne pas vous faire bénéficier de cette analyse de Liu Hongqiao parce qu'elle l'a fait en anglais, eh bien, c'était se priver d'un point de vue chinois indépendant, très précieux pour ce débat. Évidemment, chers participants, s'il y a le moindre point d'incompréhension, vous nous posez des questions et on y répond dès que possible. Alors, Liu Hongqiao, vous suivez l'évolution du débat public sur le climat en Chine depuis plus de 10 ans. Vous avez participé à plusieurs COP, notamment depuis 2010, mais aussi jusqu'à la dernière en 2019. Vous n'avez pas pu participer à tous les événements, évidemment c'est impossible, mais vous êtes maintenant une bonne connaisseuse de ces sommets. Vous avez notamment invité des négociateurs chinois climat à des événements avec des journalistes durant ces COP. Alors, quelles sont les principales différences, selon vous, dans les discours sur le climat en Chine entre les médias officiels chinois d'un côté et de l'autre, les médias non officiels, les médias commerciaux sur cette question climatique? Bonsoir à tous, je suis ravie de vous partager quelques idées avec ce soir en français, mais je suis vraiment désolée. J'aurais aimé pouvoir le faire en français, mais le Covid a ralenti mes progrès, donc je parlerai en anglais. To understand the landscape of journalism or news or press in general in China, you have to distinguish different sources or different funding sources of the news. What the jurist just mentioned about state-affiliated or government-owned media is a very valid point. We can see a very strong divergence between those government-led propaganda on climate, focusing on, for example, Chinese leadership, Chinese engagement, south-to-south cooperation, and other topics that would brought up by market-led media, like such as Caixin, a media I worked for before, or some foreign media such as China Dialogue and Carbon Brave that focus on climate and energy directly. I think based on my own experience, I started to cover climate change. My first COP was in 2010. I was very young at that time. I'm still quite young. According to my, based on my own experience, I would say climate journalism, climate as a subject in journalism in China, is arguably a 21st century movement of Eastern world spread of the Western culture. In Chinese, we call it Xixue Dongjing. It means a lot of the coverage, a lot of the journalists themselves are under the influence of a lot of international forces. This could come from, for example, capacity building on journalists on covering climate change issues, foreign funding or international funding, even from government funding, government funding from France, for example, or European different European countries to support journalists, Chinese journalists, to go abroad to participate in a lot of the COPs. And there are also, for example, thematic story grants that encourage Chinese journalists to explore certain aspects of climate change, to especially on the stories from the ground. That said, I think we have to admit that there's absolutely domestic interests that is rooted in mainland China itself for climate action and for information about climate change and for the stories on climate. We can observe, of course, a very clear process of localization, would I would put it like this way. This we borrow, we learn from the rest of the world, and we localize the issues and combine it with our own. That is not just
in journalism, I believe, is also in a lot of policy making concerning climate change and energy, and also, of course, a lot of the research, for example, on the roadmap, on the different scenarios that we can how we can transit to a decarbonized world. But I think sometimes, I mean, I've been living in France for more than 3 years. People still ask me a lot of questions about China. Do you have a bigger movement? Do you have green consumption? Because we've seen a lot horrible things, horrible images about China. Justement, Liu Hongqia, on parlera un peu plus tard, notamment avec vous et avec Nathalie, des mouvements végétariens et de ces mouvements-là. Peut-être pour revenir, pour être... Alors, on a bien compris que vous dites qu'il y a eu un changement quand même ces dernières années dans la façon de parler du climat dans les médias chinois, que ce soit les médias officiels ou les médias non officiels. Et en particulier, vous dites que cette thématique a été localisée par les journalistes chinois, justement, c'est-à-dire qu'ils parlaient des problèmes vraiment sur le terrain, plus micro, peut-être plus terrain que macro politique. En tout cas, que ça favorisait plus d'articles, plus de reportages, plus d'analyses de la part des journalistes chinois sur la question climatique. Mais est-ce que vous pourriez être plus précise sur ce qui différencie dans les discours les médias qui sont les organes du parti, comme le Quotidien du Peuple, le People's Daily, et d'autres médias non officiels, plus commerciaux. Est-ce que ces médias commerciaux sont finalement plus exigeants sur la lutte contre le changement climatique c'est une question peut-être naïve, mais j'attends votre réponse. I think it's like everywhere else in the world. The government let me to have their own propaganda, very strong agenda. I mean, in France, your media is probably more influenced by strong economic groups, commercial groups, but in China, this is very clear that certain agenda are embedded. I will give you one example that happened last year in the COP Madrid. I was a journalist there were several other Chinese journalists, independent journalists there. We couldn't get get any interview from the delegation. Pas d'interview de la part de la délégation. On a bad exit. I think we can say that we wouldn't get sit down interview like before when Xie Zhenhua was still there as the chief negotiator. But China Daily, for example, state owned media or China News Agency, they are still there to publish in-depth interview from top negotiators that carries the agenda that China want to push during that COP, during this climate negotiation. I think that's one very significant difference. That's the access, but also it also changed the subject matters that we can cover as independent journalists or, you know, journalists from Chinese market media in China without the significant input or explanation, at least a response from the government on certain issues. Our approach would have to be more on the ground, looking for stories, you know, talking to researchers, analyze different data, different scenarios. For example, what Yuban just mentioned, that the 2030 peak emission might actually arrive earlier. There are a lot of scenarios suggest China could actually peak its emission by 2025. Then that's a lot. That discussion we don't see much happening in the official media. But these are the real questions to ask. Can China actually achieve these goals? Can, for example, the ambitious renewable development plan can be implemented? And the nuclear, for example, can China continue to speed up the nuclear deployment despite a lot of opposition domestically? Et alors, justement, vous posez cette question de l'accélération du développement du parc nucléaire par la Chine. Est-ce que, et que c'est l'une des vraies questions à poser en matière de réalisation des engagements climatiques de la part du gouvernement chinois, mais est-ce que cette question, elle peut être librement abordée? Est-ce qu'elle est abordée dans les médias non officiels chinois? I think, as I mean,
My first few jobs were in Chinese media, so I've learned to how to walk on the line, walk on the iceberg, you know, tip of the ice, to try to bring up this issue, very sensitive issues, without being, you know, my articles being deleted or even couldn't be processed. I think you call it censorship, but you know, in China we had different nuance on that. So that's one thing, but the other thing is, as journalists covering climate change in China, we actually don't cover that much about, you know, protests or about local community opposition. We discuss it as a very macro level. And I think actually that's what is lacking in the Chinese climate change coverage, or in, you know, climate change coverage in general around the world, is how this solutions or the propositions would impact people. We talk about a previous panelist to talk about water, talk about I think some participants also about I mentioned the Mekong River, and these are all real stories on the ground, and that needs to, you know, need to be covered and be explored. What I observe, as you keep asking me, what's the real difference, is that all these stories are not yet stories, and because we have not yet heard about them, because people are not there on the ground to cover them. And I mean, with COVID, it's much more difficult to walk into a village and ask them what is the fear without, you know, electricity or water, or, you know, being facing the flood. But these are real stories that are helpful and very powerful for policymakers to change their minds, you know, to engage more, as you also said, the engagement. That is what, you know, I think climate change coverage in China have had played a very important role. I don't know how much time I have, but I will quickly wrap up about the trend that has been happened and which I observed in the last 10 years, is that we have more and more coverage on climate change. We have probably more and more headlines about climate change, but many of them are still the government agenda. The stories, what I already mentioned, are very much underreported. And there's a very, very strong focus on science itself, on what is climate actually changing, or how can we achieve this scenario or that scenario, or very heavily leaned on policy. What China has committed, what's Chinese new climate pledge, or, you know, international affairs, or solutions, which in China is absolutely the number one topic to talk about. China as a leader and innovator in providing green solutions to China and to the world. And of course, there's also this emerging demand that from China itself, you know, not just the government, but also the market media also feel we need to tell the Chinese story. Because as I explained the process, we have localized the concept, you know, or the entire issue to China. Et alors justement, pour rebondir sur ce que vous dites, cette demande de pouvoir exprimer l'histoire chinoise, la Chinese story, quelle est cette histoire chinoise? That's a very interesting question. I think for the government, that would be, you know, for example, the Belt and Road Initiative, for example, Chinese new pledge to, you know, the upgraded NDC, the 2030. Nouvelle route de la soie. What you just mentioned, or the 2060 carbon neutral or net carbon, net emission promise that President Xi Jinping just made. That would be the Chinese story. But for me, I have different views on the Chinese story. For example, how China can, you know, both be a problem, as, you know, till today, it's still the largest emitter in the world, but also use its experience to help the rest of the world, especially, particularly the developing countries and the least developing countries, to solve the issues. And the one example I can give you is a story that I'm actually writing to be published tomorrow. It's about debt for nature and the debt for climate swap. We have been talking about China being, you know,
very actively investing in a lot of countries, you know, the BRI, Belt and Road Initiative, or, you know, under different schemes. But this also brings huge debt crisis. I mean, it's not just because of China that is investing, it's, you know, is compounded with a lot of other factors that, for example, the COVID, the economic crisis, that a lot of countries couldn't pay back. But instead of pushing them to pay back in cash, which could bring on new crisis, which we call the debt trap, China could actually use this new debt for nature or debt for climate swap to push developing countries to use discounted debt and to establish new funds that can finance climate change, for example, adaptation or mitigation projects or natural-based solution projects. Vous dites que pour dans le cadre des nouvelles routes de la soie et avec ce problème du piège de la dette pour les pays qui sont bénéficiaires donc des investissements chinois, vous dites que plutôt que la Chine cherche à récupérer son argent, et bien que au contraire elle encourage la création de fonds de financement vert. Ces fonds verts, ce serait de l'argent des pays bénéficiaires des nouvelles routes de la soie, ou est-ce que c'est la Chine qui apporterait des financements verts, des financements qui auraient un impact climat? We're talking about two different things. I don't want to go into too much details. Finance, green finance is one thing, and the other thing, the thing that I'm actually talking about is about the debt. How China could resolve the debt crisis through this innovative way that is called debt for nature that has been existed since the 1980s in a lot of countries. Instead of just a relief the debt that China has given to a lot of countries along the Belt and Road Initiative, for example, China could apply or implement this new financial tool. And instead of asking the country to pay back, which they can't, or instead of China just to give up this fund, you know, giving away the money directly, China can actually engage the government of the countries and engage civil societies and industries in those countries to establish a mutual fund that China could sell. This goes to too much technical details. Could sell the debt at a discounted rate. And then with this fund, with a very specific mission, that is to, you know, finance biological conservation projects or to finance climate adaptation projects. And then with that, the developing countries, other developing countries, at least developing countries specifically, particularly, can use that money and transfer the debt pressure and the stress into something that they actually use at this moment, and to seize the opportunity to take climate action and to protect the nature, as we're talking about, for example, the Biodiversity Convention COP that is going to happen again. Je me permets de vous interrompre pour faire réagir Jean-François Huchet à ce que vous dites justement sur cette façon de résoudre la crise de la dette en ayant une politique climatique sur les nouvelles routes de la soie. Qu'est-ce que vous en pensez, Jean-François Huchet? Sur le principe, je trouve que ce serait une très très bonne chose. Maintenant, il faut bien voir que derrière, c'est aussi le problème que j'évoquais tout à l'heure, c'est-à-dire qu'il y a un déplacement des problèmes par moment que rencontrent un certain nombre de, on va dire, d'opérateurs chinois qui sont dans les industries fossiles, et en particulier du charbon, qui voit effectivement la pression du gouvernement chinois se renforcer sur le territoire intérieur et qui estime que les nouvelles routes de la soie sont une opportunité pour compenser les pertes qu'ils vont rencontrer sur le marché intérieur. Et donc, on le voit au Pakistan, en Indonésie, en Égypte, la multiplication des constructions de centrales à charbon, quelque part, ne vont pas dans le bon sens. Et par ailleurs, il ne s'agit pas des toutes dernières générations de centrales à charbon que j'évoquais tout à l'heure. Il s'agit plutôt, par moments, de modèles qui sont un peu en dessous des derniers
on va dire, génération de centrales à charbon qu'on connaît en Chine. Donc, il y a cette question qui est quand même pas facile à résoudre, hein, des lobbies très puissants qui existent derrière. On le sait, derrière les nouvelles routes de la soie, eh bien, ce sont précisément les entreprises d'État qui sont privilégiées vont profiter effectivement des subsides ou en tous les cas des prêts qui sont accordés. Donc, on va avoir une partie, mais qui est relativement faible, des financements qui passent par la nouvelle banque qu'on connaît, qui a été fondée par la Chine. Et là, on remarque que là, il y a quelque chose qui est assez à la pointe de l'environnement. On a des financements qui ressemblent un petit peu à ce que la Banque mondiale essaye de faire, donc je dirais assez politiquement correct. Mais ces financements représentent en fait une partie assez faible des financements qui transitent et qui sont investis dans les nouvelles routes de la soie, parce qu'une grande partie dépendent de fonds qui sont entièrement chinois et qui ont peut-être malheureusement un regard moins, on va dire, avec un contrôle, on va dire, moins strict sur l'utilisation de ces fonds. Donc, encore une fois, sur le principe, ce serait formidable si on arrivait à transformer et à évoluer comme Liu Hongqiao le dit. Ceci étant dit, il y a quand même encore beaucoup d'obstacles. Et par ailleurs, il faut bien voir que les pays récipiendaires de l'aide chinoise ont énormément besoin de la construction d'infrastructures, donc qui sont par définition très, très voraces en énergie. Et donc, on n'est pas sur de la transposition de quelque chose qui serait différent de ce que la Chine sait faire ou a su faire durant sa période de croissance extrêmement rapide qu'elle a connue depuis 1990 à aujourd'hui. Alors, très bien. Je reviens vers vous, Liu Hongqiao. Vous suivez aussi le débat sur le climat en Chine au sein de la jeunesse chinoise, et cela évidemment à travers les réseaux sociaux. Alors, comment est-ce que les jeunes internautes chinois ont évolué sur cette question climatique? Comment est-ce qu'ils la perçoivent aujourd'hui? Yes, that's also a very interesting question. If you look into the new survey that was published, I believe last month, on youth perception on climate change, we can see a very clear tendency that they are extremely concerned. I think up to 98%, something like that, people expressed their super concerned, serious concern about climate change. But on the contrast, with the followed up question, they don't show enough understanding or acknowledgement on how serious the issues is actually, or what the issue we're actually talking about. And this actually meets this is a follow-up survey. If you look into other surveys in the past, we also observe similar perception among people among the interviewees, who say they are very aware and support climate science, climate policy, government actions on climate change to tackle climate change. However, the perception, the understanding of climate change is very, very limited. I looked into some of the survey, and people say climate change, when they think about climate change, they think about hot, they think about cold, they think about pollution, they think about global warming in general, or the foggy air, as the air pollution is a very important issue in China. All the other topics I just mentioned, for example, green finance, climate finance, or indigenous people's rights, which is also localized topic in China, or just a transition. How can we transition, to a decarbonized world with political, social, economical benefits to everyone? These are issues what I previously mentioned are underreported.
And as a result, probably the general perception of people on that is also mismatched with what they think they understand. And back to what you just mentioned about youth participation, around the world in the last 2 years, we have seen figures like Greta Thunberg. Voilà, c'est exactement ça que je voulais vous poser. Who just turned 18 last week, I believe. Voilà. Alors, justement, pour lancer ce que vous êtes en train de dire, comment est-ce que les jeunes Chinois, aujourd'hui, peuvent se mobiliser en faveur du climat? Est-ce qu'ils peuvent imiter des modèles internationaux comme Greta Thunberg? It's very clear that activism that, you know, Friday for Climate, this type of model, is not applicable in China because we don't really encourage civil society or this type of activism style of engagement. However, I do see, as one of my coverage that you might, I can show the link later, some Chinese students, teenagers, actually attempted to participate in the Friday for Future global movement. They attempted even though they couldn't put it into practice. On contrast to this trend of activism of youth participation, you know, we take actions, we go to parliament, we speak at climate summit that how dare you, you know, on contrast to all that, the Chinese youth participate and express their concerns on climate change more in a very subtle way, or, you know, in their own words, you know, we want to find constructive approach to the issue. I want to be practical. And une approche constructive, mais quelle serait cette approche constructive qui est véhiculée par cette jeunesse? Yeah, I think constructive activism in your context, in French context, would also be political participation. Yet in China, that is not considered very constructive. The way Chinese youth participate, sometimes, there has been delegations of Chinese youth go to COP, the climate COP every year, different groups, hundreds of them. They also participate in global conversations, how youth can participate. But when you go back to China, you see their participation or their activities are more heavily concentrated in, for example, research. How can I produce world-class science research on climate change? Or, you know, how can I invent new innovations to solve certain issues, either locally or globally? Or, you know, I'm a teenager. In 10 years, I'm going to become a professor in climate politics and to showcase Chinese stories to the rest of the world. And this would be the ways, what I observe, be the practical constructive approach that the Chinese youth are taking these days. Alors justement, Liu Hongqiao, excusez-moi de vous interrompre. Je reviendrai vers vous un tout petit peu plus tard, mais vous me donnez la parfaite transition pour aborder maintenant les questions qui intéressent Nathalie Bastianelli, puisqu'on a vu justement sur, on a parlé de l'opinion publique. Là, vous venez de dire justement que la jeunesse chinoise qui excusez-moi, qui ne peut pas avoir un activisme politique sur le climat, faire des manifestations, interpeller les politiques comme en Europe ou aux États-Unis, eh bien, cette jeunesse se tourne vers des études et une aspiration à contribuer à l'innovation technologique, l'innovation business, également pour avoir un impact positif sur le climat. Alors, évidemment, puisque cette lutte contre le changement climatique, elle ne peut pas être seulement le fait du gouvernement, des médias, de la jeunesse à travers les réseaux sociaux, il faut aussi, évidemment, la mobilisation de la société à travers les entreprises. Et c'est un thème que vous connaissez donc très bien, Nathalie Bastianelli. Vous êtes fondatrice du forum We Belong, qui est une plateforme pour encourager, soutenir les entrepreneurs, pour soutenir également les marques, mais aussi les artistes, les designers qui participent à cette innovation, et pour les soutenir, pourquoi ? Pour produire, pour consommer, pour aider à consommer de façon plus durable et avoir un impact positif sur le climat. Et vous travaillez en particulier en Chine, sur le marché chinois.
Et donc, l'un des défis majeurs aujourd'hui, c'est comment aider les consommateurs en Chine à acheter durable, surtout au vu de la consommation en Chine elle-même, qui est d'ailleurs le plus grand marché de consommation au monde. Nathalie Bastianelli, si vous voulez nous dire juste un petit mot rapidement sur ce contexte. Oui, alors d'abord, juste pour dire que le forum We Belong, il s'adresse vraiment aux consommateurs chinois et à la jeune génération, pour leur montrer des pionniers du monde entier et de Chine à justement consommer de manière plus durable. Voilà, donc ça, c'est vraiment très important parce que c'est vraiment notre cible, en fait, les consommateurs chinois, et surtout de filmer nos événements et de les diffuser sur le live stream. Et c'est comme ça qu'on arrive justement à les toucher. Alors après, sur il y a différents secteurs hein, où effectivement, pour que les Chinois achètent de manière plus durable, il faut qu'ils aient une conscience, donc il faut que ce soit beaucoup plus traité dans les médias. Alors c'est vrai que maintenant, il y a énormément de groupes sur les réseaux sociaux, il y a beaucoup d'échanges, vous avez des blogueurs, et puis aussi, vous avez des entrepreneurs qui proposent de nouvelles manières de consommer. Donc là, je vois qu'on va partir sur... Alors, voilà. Alors là, on était parti. Peut-être on reviendra un petit peu plus tard sur cette question de la viande végétale. Okay. Juste, est-ce que vous pouvez nous dire donc un petit mot sur l'état de la consommation en Chine ? C'est-à-dire, on voit le Black Friday et la fête des célibataires. Et là, c'est une consommation, en tout cas une e-consommation dans le e-business en Chine qui n'a que peu de rapport avec un impact positif. C'est des records d'une année sur l'autre. Effectivement, le Black Friday, qui est un concept américain pour faire une journée de solde dans l'année, a été importé par le groupe Alibaba depuis 2009. Et les ventes de cette année, c'était 68 milliards d'euros pour la journée du 11 novembre, effectivement, qu'on appelle la fête des célibataires. Et vous imaginez qu'en 2013, c'était 6 milliards d'euros. Donc, on voit en 7 ans la progression incroyable, c'est des records battus d'une année sur l'autre. Et juste pour vous donner une idée de ce que ça peut représenter, c'est qu'au pic de la consommation de cette journée du 11 novembre, c'était 585 000 commandes à la seconde. Voilà, là, ça nous... À la seconde. À la seconde. Voilà, là, on voit du coup l'ampleur assez effrayante de cette accélération par la digitalisation, effectivement, puisque la Chine est le deuxième consommateur digital au monde derrière la Corée du Sud. Alors, donc, in medias res, donc sur votre sujet, on va prendre 3 exemples. Okay. En Chine, de secteurs de l'économie où se pose la question, où il y a des innovations qui auraient un impact positif sur le climat. On va commencer évidemment avec l'un des secteurs qui est très important et qui est très polluant, c'est le luxe, justement. Et est-ce que le luxe en Chine, est-ce que le haut de gamme en Chine peut avoir est-ce que les entrepreneurs, les entreprises de ce secteur peuvent avoir un impact positif? Et par exemple, le secteur de la mode. Alors, vous avez un exemple justement à nous donner. Oui, alors secteur de la mode, juste en deux secondes, là, pour dire que c'est quand même 8 à 10% des émissions de CO2 mondiales. Donc, c'est plus que les vols internationaux et que les transports maritimes réunis. Et c'est aussi le deuxième plus grand consommateur d'eau après l'industrie pétrolière. Donc là, on voit bien que ça pose un peu le secteur. Et aussi, la Chine est devenue le plus grand producteur de mode et le plus grand consommateur. Et évidemment, vous avez des initiatives, que ce soit dans le luxe. Alors là, vous avez montré des photos de Guopei, qu'on appelle la Coco Chanel chinoise. Voilà, peut-être on peut revoir ces photos. Oui. Mais continuez. Voilà, donc qui est très sensible à la protection des savoir-faire traditionnels, du monde naturel et aussi à l'utilisation des biomatériaux innovants et éco-conçus. Donc, ce qui est intéressant, c'est que Guopé, en 2019, pour sa collection, elle a travaillé avec Piñatex, une entreprise espagnole, une start-up qui travaille aux Philippines. Et toute sa collection, voilà, est faite avec du chanvre fabriqué à base de feuilles d'ananas. Donc, c'est très innovant, c'est éco-conçu. Et donc, elle a développé toute sa collection qui a eu vraiment énormément de succès. Pour avoir échangé avec elle, les clientes étaient vraiment très satisfaites. Elle ne s'arrête pas là, puisque sa dernière collection de 2020, qui a été diffusée en ligne parce qu'on était en période de Covid, était faite à base de cuir végétal, aussi fabriquée à base de feuilles d'ananas. Donc, elle va vraiment dans ce sens-là, elle a vraiment envie d'innover, elle a vraiment envie d'intégrer des matériaux qui sont biosourcés, et voilà, elle travaille avec des start-up dans le monde entier pour justement arriver à proposer des créations qui vont dans le sens de l'histoire. Alors, vous me parliez d'une autre marque de mode qui s'appelle Reclosing
Bank, la banque du réhabillement. Comment est-ce que vous traduisez ça? Quel est le concept et en quoi oui, ça alors, a un impact Jangna, c'est une positif sur le climat, justement. Oui, alors Jangna, c'est une créatrice, une designer qui est assez connue puisqu'elle avait une marque qui s'appelait Natu et qui marche très bien. Et en fait, quand elle a réalisé l'impact de son secteur sur l'environnement, elle a décidé en 2011 de créer Reclosing Bank. Et le concept de Reclosing Bank, c'est de prendre des vêtements existants pour en créer de nouveaux. Donc, c'est vraiment du neuf élégant, parce qu'il y a beaucoup de design derrière, avec des vêtements recyclés. Donc, elle travaille avec des ONG, elle récupère les vêtements recyclés. Il y a un très gros programme qui a été lancé par une organisation chinoise sur l'économie circulaire des vêtements. Donc là, effectivement, on voit ses créations. Et donc, c'est intéressant de promouvoir des vêtements, parce que c'est très difficile en Chine. Généralement, on n'aime pas ce qui est vieux, on n'aime pas… Voilà, le côté vintage commence à arriver en Chine. Et effectivement, Reclosing Bank s'est approprié ce modèle. Et elle va recréer du polyester avec des bouteilles plastiques, elle va travailler avec un secteur comme l'automobile, elle récupère les tissus des coussins des voitures, les airbags pour faire des sacs. Et voilà, donc c'est toute la matière première qui existe et qu'elle peut récupérer des vêtements usagés, elle en fait des collections. Ce qui est intéressant, c'est qu'elle a aussi une approche sociale, c'est-à-dire qu'elle reverse 10% de ses bénéfices à des organisations qui essayent pour les femmes qui sont en recherche de travail. Elle reverse 1% de son chiffre d'affaires à l'ONG 1% pour la planète, qui est une ONG américaine. Et quand elle fait des défilés, notamment au défilé de mode de Shanghai, elle fait participer des gens de la rue, c'est-à-dire ça peut être des migrantes, ça peut être des gens avec qui elle a sympathisé, mais en aucun cas ce sont des mannequins qui sont dans le circuit habituel. Donc on voit bien qu'elle a vraiment une approche qui est assez disruptive avec ce qui se fait habituellement. Alors il y a d'autres marques, hein, là je vous donne cette marque de Reclosing Bank, mais voilà, il y a d'autres marques qui existent sur le marché. Il y a notamment, je veux juste vous la citer parce qu'elle s'appelle Wu Yong et la designer c'est Ma Ke, parce qu'elle habille la première dame du pays, Peng Liyuan. Donc, c'est aussi des textiles éco-conçus et avec de la teinture naturelle. Donc, voilà, on voit bien que ça prend… Voilà, alors c'est vrai que c'est pas pour l'instant dans la mode de masse, c'est plutôt pour la classe moyenne aisée. Mais voilà, le mouvement a commencé, il y a maintenant beaucoup plus d'offres, mais il faudrait effectivement que ce soit beaucoup plus… il faut que l'offre se développe, en fait. Et alors, j'en profite pour poser la question à Liu Rongtiao. Sur tous ces concepts de marque, alors on a pris l'exemple de la mode, est-ce que ces nouveaux concepts influencent les consommateurs chinois ? Les jeunes consommateurs chinois à travers les réseaux sociaux, qu'est-ce que vous voyez, qu'est-ce que vous percevez? Est-ce que c'est des marques finalement qui sont très minoritaires, en tout cas il y a peu d'influence, ou au contraire, est-ce qu'il y a aussi une demande de la part des jeunes internautes chinois de consommer plus durable, en rapport évidemment avec la planète, avec le climat? I think young people in general have shown much more awareness on, you know, eco and sustainable consumption compared to the older generation, and I think this is in line with the global trend too. However, I think compared to what is happening in France, you have a lot of bio shops, you have a lot of recycling shops. The infrastructures, the policy infrastructures, especially to support this green consumption and the circular economy, it's still not yet catching up with what is actually happening in the market right now. However, that has been said, circular economy itself is very much promoted by the Chinese government. That not just concerns clothing, you know, the fashion, but the entire consumer products, for example, iPhone, for example, computer, and the recycling and the reuse and the regeneration projects are also subsidized by the Chinese government as an incentive for the industry to grow. So I guess, yes. So I guess the short answer to your question is yes. Donc ça a aussi de l'influence parce que c'est sur la même longueur d'onde que les politiques gouvernementales chinoises. Alors, un autre exemple, Nathalie Bastianelli, c'est celui
de la consommation très sensible de la viande. Évidemment, on parle beaucoup de la consommation de la viande, des effets de l'élevage sur les émissions de gaz à effet de serre. Et donc, vous vouliez mettre l'accent sur cette nouvelle offre en Chine, en tout cas de viande végétalienne. On en voyait une image tout à l'heure, on peut en revoir de la viande qui ressemble à de la viande, mais qui est faite à base de végétaux. Et évidemment, ça surfe sur toute une tendance qui existe depuis très longtemps en Chine, qui est la tendance végétarienne et qui n'est pas une chose nouvelle. Alors, quelle est la place justement de ces initiatives de viande végétalienne pour changer les modes de consommation, les rendre plus durables en matière de consommation de viande? En fait, c'est vraiment une offre qui se développe énormément puisque le gouvernement, dès 2016, a annoncé son ambition de diviser la consommation de viande par deux d'ici 2030. Donc, on voit qu'en 1980, un Chinois consommait 13 kilos de viande par personne et par an. Et maintenant, on est à 53 kilos. Alors, c'est vraiment une forte augmentation. Et il y a une ONG qui s'appelle Wild Aid et qui a annoncé les chiffres que si rien n'est fait en Chine, ce sera plus 30 kilos par personne et par an d'ici 2030. Donc, on voit que c'est considérable et ça aurait une conséquence désastreuse pour le climat, pour des questions effectivement d'échelle, quand on voit la démographie en Chine. Donc là, en 2016, il y a eu toute une campagne de communication qui a été lancée avec la société de nutrition chinoise pour sensibiliser les consommateurs à baisser sa consommation de viande. Donc ça a été fait avec l'aide de stars chinoises, des acteurs, des chanteurs, des gens très connus. Il y avait notamment Li Bingbing, qui est une actrice et une chanteuse très populaire. Et c'était fait aussi sur un ton humoristique. Donc là, c'est effectivement, on n'a pas d'illustration de la campagne, mais une des questions, quand elle était prise en photo et illustrait cette campagne, c'était « Quel genre d'homme irrésistible serait pour vous ?» Et elle répond « Un qui, comme moi, ne mange pas de viande au minimum une fois par semaine. » Et toute la campagne a été déclinée dans tout le pays, dans les villes de Chine. Il y a aussi une approche médicinale, hein, puisqu'on sait très bien que la médecine chinoise est sur un système de prévention. Et donc, effectivement, pour aussi des impacts santé, c'était de sensibiliser la population à manger moins de viande. C'est intéressant parce qu'il y a une étude qui a été faite par Chatham House, qui est une organisation anglaise, mais c'est une étude mondiale. Et ce qui est ressorti, c'est que pour la Chine, 83% des Chinois étaient prêts à manger végétarien au moins un jour par semaine et 62% étaient disposés à manger moins de viande deux jours ou plus. À ne pas manger de viande deux jours ou plus par semaine. Et là, une initiative que j'aime beaucoup qui s'appelle Vague Planète, qui est une plateforme qui a sensibilisé, qui a démarré, donc elle est gérée par Hazel Zhang, et elle a d'abord voulu sensibiliser la jeune génération. Elle a écrit des articles, elle a traduit des articles qui venaient des pays étrangers, et elle a commencé aussi à produire des produits, et elle a eu 100 millions de vues en 4 ans. Donc, on voit bien à quel point elle a eu un impact. Au départ, 80% de son lectorat était végétarien ou vegan, et maintenant, ce sont vraiment des flexitariens. Elle a écrit des livres, et ces livres ont été des best-sellers sur la plateforme de e-commerce Dandan, qui est le numéro 1 de la librairie en ligne. Et juste pour rappeler, flexitariens, donc c'est des gens qui mangent aussi encore de la viande. Voilà. Qui ont baissé drastiquement leur consommation de viande, mais qui s'autorisent encore à manger de la viande. D'accord. Alors, pardonnez-moi, Nathalie Bastianelli, c'est juste que Jean-François Huchet voulait intervenir, si je ne me trompe pas. Je vois que la main est levée sur ce sujet. En fait, c'est sur un sujet connexe qui est lié à la consommation au mode de vie. Si on regarde l'impact sur les émissions de CO2, on remarque que un des principaux contributeurs est la question de l'immobilier. On avait à peu près au démarrage des réformes en 1978 une surface habitable d'à peu près 7 mètres carrés par habitant en Chine. Hein, et aujourd'hui, on est à peu près à 40 mètres carrés par habitant. Alors, je vous laisse faire le calcul. Ce que ça représente en mètres cubes de ciment, c'est quelque chose de colossal. Si vous rajoutez la question des infrastructures qui est toujours au centre de la croissance, on a eu des choses complètement hallucinantes où entre 2011 et 2013, on a eu plus de ciment
dépensée en Chine que pendant toute l'histoire du XXe siècle aux États-Unis. Donc, je crois qu'il faut quand même garder à l'esprit qu'il y a des données structurelles qui vont continuer à peser sur la Chine et qui sont tellement massives que je ne sais pas que je veux tout d'un coup être extrêmement pessimiste et faire en sorte que et de dire que toutes ces initiatives ne serviront à rien, loin de moi, et je pense qu'elles sont tout à fait salutaires, mais il faut aussi garder à l'esprit les ordres de grandeur et le poids de la structure de la population, de l'empreinte écologique, de ces modes de consommation qui, certes, vont changer, mais même nous, on n'arrive pas à inventer quelque chose qui est différent. Et c'est vrai que si on rajoute l'Inde à ça… Mais n'oublions pas que l'industrie… Qui sont très, très difficiles à changer. Donc, je pense qu'il faut quand même garder un optimisme relativement modéré par rapport à ça. Mais sans être optimiste, l'industrie de la viande, c'est quand même plus de 14% des émissions totales de CO2. Donc, on sait très bien que d'avoir un impact sur la consommation de viande, c'est colossal. C'est très important, c'est un des secteurs les plus polluants au monde. Donc, il y en a d'autres de secteurs, mais celui-ci est très important. Et donc, ce n'est pas rien que d'arriver à faire baisser la consommation de viande du pays le plus peuplé au monde, puisqu'on sait très bien qu'il y a une personne sur cinq qui est chinoise. Donc, s'ils continuent à consommer la viande sur la même tendance qu'actuelle et qu'ils vont consommer 30 kilos de viande de plus par personne, c'est juste un impact colossal. Je ne dis pas que c'est le seul, mais donc, c'est très important de prendre ce sujet à bras le corps. Nathalie Bastianelli, alors d'accord avec vous. D'accord, très bien. Alors parfait. Juste avant qu'on ait un petit moment exclusivement pour répondre aux questions de nos participants et pour conclure, juste un dernier exemple avec vous, Nathalie Bastianelli. C'était évidemment un secteur économique où l'impact sur le climat est extrêmement fort. C'est le tourisme et on connaît les problèmes du surtourisme en Chine et ce n'est évidemment pas spécifique à la Chine. Mais puisqu'on parle de la Chine, comment est-ce que la Chine peut s'approprier, comment est-ce qu'elle s'approprie dans les faits la promotion du tourisme durable? Est-ce qu'il y a vraiment des actions qui sont entreprises qui ont un impact réel, au-delà des discours officiels que d'aucuns pourraient considérer comme du verdissement, du greenwashing? Bon, la Chine a vraiment pris conscience qu'il fallait qu'elle protège les terres, qu'il fallait qu'elle préserve la biodiversité et aussi son patrimoine historique et culturel et avoir une meilleure répartition des richesses dans les zones touristiques. Donc, c'est en 2013 qu'elle a publié les grandes lignes directrices d'un programme qui s'appelle la Nouvelle Stratégie Touristique et qu'elle y a intégré la définition d'un développement et d'une gestion du tourisme durable. Elle a réenfoncé le clou lors du 13e plan quinquennal qui s'étend de 2016 à 2020 qui avait été adoptée par l'Assemblée nationale populaire, dans lequel elle a intégré le tourisme durable dans les objectifs de développement durable du plan quinquennal. Alors, c'est vrai que ça participe à sensibiliser la manière de consommer le tourisme. Il y a énormément de sensibilisation pour avoir échangé un peu avec des agences de voyage où j'ai fait quand même quelques interviews. Et justement, notamment sur la gestion des déchets alimentaires, sur la manière de freiner le tourisme de masse. Et on voit que ça a été accentué pendant la période du Covid, puisque le tourisme intérieur a repris. C'est aussi de faire très attention. Maintenant, on ne peut plus s'approcher des animaux sauvages. Les gens qui maintenant doivent voyager en Chine, ils doivent réserver en ligne, ils reçoivent des règles de prévention et aussi des règles sur les comportements responsables. Et aussi toutes les organisations qui organisent le tourisme en Chine sont vraiment sensibilisées. Vous avez un contrôle de la circulation pour éviter le tourisme de masse et maintenant un développement de nouvelles destinations moins connues, moins fréquentées pour justement éviter les risques évidents pour la santé publique et aussi pour une meilleure protection environnementale. Pour protéger les écosystèmes. Très bien. Alors, merci beaucoup, Nathalie Bastianelli. Maintenant, nos intervenants vont répondre exclusivement à vos questions. On va prendre un quart d'heure, 20 minutes. Évidemment, on ne va pas vous empêcher de dîner. Je voudrais commencer par une question pour Liu Hongtia, qui est une question extrêmement précise. C'est quelles sont les plateformes que vous utilisez pour communiquer ou en tout cas quelles sont les plateformes où l'on parle le plus de climat, les plateformes internet, les réseaux sociaux.
En chinois, en chinois, en la langue chinoise. Absolument, en chinois. You got me. I can't really think of any particular sites, but in China, since WeChat is the number one social media that is used, and there are a lot of independent users who develop their content specifically on climate change and all related sustainable issues through the WeChat subscription account. I would say if you're interested to look into information about climate change in Chinese, that would be the place, the platform to go. And if you're just generally interested in, you know, climate change on China, in China, policies around China, China dialogue, would be a very good place to go. And the Carbon Brave that I'm currently working in would also start a very specific coverage, intensive coverage on Chinese climate policies. Une autre question, cette fois-ci encore pour vous, Liu Hongqiao, de Thomas Peters, qui est-ce que des personnalités, des célébrités culturelles en Chine s'expriment sur le changement climatique et peuvent inspirer, influencer les internautes chinois? Est-ce qu'il y a des gens qui ont fait du climat leur cheval de bataille parmi les célébrités chinoises? Excuse-moi, je ne suis pas sûr que j'ai bien compris votre question. Que ce soit les stars de cinéma, les stars de la chanson en Chine, est-ce qu'il y a parmi elles des chanteurs, des chanteuses, des acteurs, des actrices qui s'engagent sur le climat, sur la question de la lutte contre le changement climatique et qui influencent les internautes chinois? Yes, there are actually, because there are many of them. For example, Greenpeace China has been very engaging on that front, inviting a lot of TV stars, or especially stars that have great influence within young people, among young people, to, for example, to go to the North Pole, to go to the South Pole, to go with them to see the pollution underground, to see glacier melting. So this, when they come back, they talk about climate change, they talk about their own experience. This is very influential. I'm sorry, I can't give you a specific name because I'm not really following that news. But the answer is yes, there are. And this is, and we've seen this consensus emerging, not just in, you know, general population, but TV stars. But I have to give a very, make one last point before I go, is that the celebrities tend not to engage in any political issues. So climate change is one of the rare issues that some of the celebrities would actually come out and speak out about. Merci. Alors, une autre question de la part des internautes, c'est cette fois-ci pour Hubert Testard, que je n'ai pas sollicité depuis un moment. Alors, un participant demande actuellement la surenchère pour le leadership climatique aux États-Unis, et c'est vrai depuis 4 années de présidence Trump, et plutôt le fait des États comme la Californie, voire de certaines firmes internationales. Est-ce qu'on en a, est-ce qu'il y a une situation équivalente en Chine, ou est-ce que par exemple le Jiangsu ou d'autres provinces chinoises seraient plus à l'avant-garde de la lutte contre le changement climatique que le gouvernement central, ou des entreprises chinoises qui joueraient la carte d'une croissance verte, voire d'une transition écologique? Alors, sur le rôle des États en Chine, ils sont évidemment quand même sous contrôle du parti et du gouvernement central. Donc, ils ne peuvent pas se permettre de communiquer en disant on est les meilleurs, on est meilleurs que les voisins, ce qu'on fait est beaucoup mieux. Alors, ce qu'ils font peut être repris par la communication générale du gouvernement en disant voyez ce qui a été fait à tel endroit, voyez tel succès dans telle ville ou dans telle. Dans telle réalisation industrielle, mais ils ne peuvent pas se permettre de faire comme les Californiens ou d'autres, c'est-à-dire d'avoir une politique qui serait en quelque sorte en concurrence avec celle du gouvernement, quoi.
Ça, ce n'est pas pensable en Chine. Alors, pour les entreprises, moi, je n'ai pas regardé toutes les entreprises chinoises, mais je me suis intéressé à celles qui étaient dans la nouvelle économie pour voir un peu la comparaison avec les Américains. Et là, c'est intéressant parce que du côté américain, il y a quand même des engagements très forts de la part de certaines sociétés américaines vis-à-vis du climat. Alors, je ne sais plus si c'est Google et Facebook, mais il me semble que c'est Google. Ouais, je me semble que c'est Google. Enfin, c'est l'un des deux, en tout cas, qui s'est engagé à non seulement à avoir une neutralité carbone en 2030 et avoir remboursé à l'horizon 2050 la totalité des émissions faites depuis l'existence de la société. Bon, donc, ça veut dire qu'aux États-Unis, vous avez en matière de climat, du côté des leaders de la nouvelle économie, des engagements qui sont nettement plus forts que la moyenne américaine, qui est globalement pas terrible, hein, mais pour ce secteur-là, c'est nettement plus fort. Et par contre, je n'ai pas trouvé le reflet de ça en Chine. Je n'ai pas, j'ai pas vu énormément de choses vraiment innovantes de la part de leaders comme Alibaba, Tencent, etc. Ils font des choses, mais ce n'est pas aussi visible, en tout cas, dans ce que moi j'ai pu saisir. Alors, il y a peut-être des initiatives sur la viande ou sur des choses comme ça qui sont relayées par ces grands groupes. Mais en tant qu'engagement personnel et puis aussi fourniture d'informations, parce que le point essentiel pour les entreprises, c'est de fournir une information fiable qui soit réalisée par des tiers et qui comporte des engagements très précis. Et là-dessus, les Chinois sont encore loin derrière. Alors, je pose la même question à Liu Hongjia et à Nathalie Bastianelli. Je ne sais pas qui l'une de vous, peut-être Nathalie Bastianelli, justement sur les BATX, les GAFA chinois, Baidu, Alibaba, Tencent et Xiaomi. Est-ce qu'il y a des engagements climatiques qui ont été affichés? Oui, ils font des actions parce que de toute façon, quand on est des entreprises aussi puissantes, le gouvernement sollicite les entreprises pour qu'elles participent à passer en économie verte. Donc, elles ont un… je ne sais pas ce qu'en pensera Liu Hongqiao, mais moi, de ce que je vois et de ce que je suis, c'est qu'elles sont obligées de s'engager. Alors là, je n'ai plus d'exemple en tête, mais je sais qu'elles investissent énormément dans des programmes environnementaux. Je sais que la fondation Alibaba est très impliquée, mais au regard du poids, ben voilà, c'est très contradictoire parce qu'Alibaba met tout en œuvre pour faire de plus en plus de chiffre d'affaires d'une année sur l'autre. Et pour se donner bonne figure, c'est vrai qu'elle réalise des programmes très concrets de reforestation, de soutien à des ONG. Mais voilà, quand on fait la balance, on peut limite dire que c'est du greenwashing. On s'attendrait à des choses beaucoup plus ambitieuses. Je voudrais juste dire deux mots parce qu'il y a une blogueuse qui s'appelle Liz Zhi, qui est connue mondialement et qui est sur YouTube et qui est sur les réseaux sociaux chinois et qui promeut une consommation durable, des vêtements durables et qui a autant de followers que Lady Gaga dans le monde. Donc, je voulais juste donner l'exemple de cette blogueuse qui est très intéressante. Et il y a effectivement aussi d'autres stars chinoises. C'est une influenceuse. Et Liu Hongjia, justement, sur les engagements climatiques des très grandes entreprises chinoises et des Baidu, Alibaba, Tencent et Xiaomi ou d'autres que je ne cite pas, des titans de l'économie chinoise, est-ce qu'il y a justement des engagements pour le climat? Short answer is yes, but how? Yes, we've seen some of the engagements, like Natalie just mentioned, Alibaba has a very an award-winning initiative called the Ant Forest, for example. Every people who use the Ant Pay, the Alipay, would contribute a certain credit through the fund, with which Alibaba would replant forest in the desert area in China, which I think is a very influential and innovative way to engage average citizens who use mobile pay to engage, you know, to participate in climate change, climate actions. However, I think the real question here is about the business model. Alibaba, as Natalie just explained, you know, in our Black Friday, the November 11th or December the 12th, we sell so many things overnight. And how many of them are actually rational consumption? Or, you know, like what you experience here or elsewhere, the Black Friday type of irrational consumption
that come from, you know, produced in illegal or small, less regulated plants that also pollute the environment and contributes to climate change. So as I said, yes, but how? And then we actually, in contrary to Apple, for example, we don't really see Xiaomi or Huawei, this big Chinese brand, engage or announce in their, for example, science-based transition plan, or do announce any of climate targets of their entire group, and or, you know, engage in cleaning up their supply chain, or, you know, tackle some of the social issues, for example, labor issues along the supply chain. We say that, you know, Xiaomi and Huawei are quite much behind compared to Apple compared in the same industry. But we do, on the other hand, see a lot of fossil fuel energy companies just announced their 2030 or 2025 carbon peak emission plan. So that's, China is very dynamic, and you have to look into that from that perspective. Très bien. J'ai une question assez pointue d'un participant que je vais adresser à Jean-François Huchet. C'est une question sur l'agroécologie, c'est-à-dire qu'en est-il des méthodes agricoles durables de l'agroécologie en Chine? Est-ce que cela peut avoir un impact important sur le climat en Chine? Oui, bien sûr, toutes les actions peuvent avoir des répercussions tout à fait positives, et on voit effectivement qu'il y a une agriculture, notamment sur les émissions de particules fines. On oublie souvent que l'agriculture est un des secteurs qui émet pas mal de particules fines. Alors, bien sûr, pas autant que l'industrie, les transports, mais tout de même, ça fait partie effectivement des émissions de particules fines, et qui influencent aussi la qualité de l'air. Donc il y a des initiatives qui sont prises, et notamment en lien avec ce que Nathalie Bastianelli et Liu Hongqiao disaient tout à l'heure sur les habitudes de consommation. On a, du côté de la production, on a quand même pas mal de d'entreprises qui produisent et qui jouent le rôle d'intermédiaires, ou qui vont inciter effectivement les agriculteurs à changer leur méthode de production, et d'avoir effectivement des répercussions aussi bénéfiques, hein, sur la manière de produire. Alors après, sur la consommation d'énergie nécessaire, c'est plus sur l'utilisation des pesticides, des choses comme ça, sur la culture bio, par exemple, qu'on a une évolution extrêmement rapide. Mais après, est-ce que cette culture bio a des répercussions fortes sur les questions de consommation énergétique? Ça, c'est autre chose. Par contre, on voit se développer aussi de pas mal ce qui existe dans la biomasse aussi, par exemple, aussi de l'utilisation de ressources agricoles qui sont réutilisées effectivement pour produire de l'énergie. Mais enfin, c'est encore, comme le disait Hubert tout à l'heure, on parlait de ce qui se passe du côté de certaines énergies comme le nucléaire. La biomasse, ça représente quand même assez peu, enfin, c'est pas capable de remettre véritablement en cause la trajectoire énergétique de la Chine. Une question politique encore pour vous, Jean-François Huchet, mais vous autres intervenants, vous pouvez aussi réagir. Est-ce que la question climatique peut devenir une menace pour le pouvoir politique de Xi Jinping? Ben, je crois qu'en tous les cas, en 2013, des années 2010 à 2013, ça a été un objet d'inquiétude pour le pouvoir chinois dans les grandes villes. Pourquoi ? Parce que la dégradation très forte à laquelle on a assisté de la qualité de l'air dans les villes chinoises touchait les classes moyennes. Et on le sait, qu'ils sont beaucoup mieux organisés
pour dire ce qu'elle pense, même si ce n'est pas de manière organisée à travers des partis politiques ou des mouvements comme on a pu connaître en Europe à partir des années 70. C'est quand même une opinion publique qui compte. Et puis on a vu dans certaines villes, en dehors de Pékin aussi, je pense à Chengdu en particulier, un certain nombre de manifestations dites climatiques par rapport à la dégradation de la qualité de l'air. C'est-à-dire qu'on avait atteint un tel niveau de pollution que le régime a senti effectivement que l'opinion publique était très sensible. Dans les enquêtes d'opinion, Liu Hongjia en a parlé tout à l'heure, on a très clairement dans les enquêtes d'opinion de cette époque le sentiment que la population effectivement devenait de plus en plus sensible à ces questions. Alors après, c'est sûr que si vous prenez l'eau, c'est pas la même chose. L'eau, c'est plutôt une pollution qui touche plutôt les campagnes, avec des populations qui sont moins écoutées, moins organisées, moins susceptibles d'avoir une influence sur le gouvernement central. C'est là on voit très bien qu'il y a des réactions qui sont plus faibles, on va dire, de la part des autorités locales pour contrôler effectivement la pollution de l'eau, même si bien évidemment ces dernières années on essaye aussi d'améliorer toutes ces questions. Mais très clairement, oui, alors peut-être pas autant que le chômage ou peut-être pas autant qu'un certain nombre d'autres questions liées à la stabilité sociale, comme on l'a dit, mais tout de même, je pense que effectivement, cette question de l'environnement est quelque chose de majeur, puisque ça touche aussi les questions de santé publique, et ça, ça a une influence majeure. Je pense que la santé publique des enfants, par exemple, c'est vraiment majeur. Souvenez-vous de l'introduction du documentaire. La journaliste, l'ancienne journaliste chinoise qui a fait le... Elle parle de sa fille. Elle dit « Je ne veux pas laisser un monde qui va se dégrader comme ça pour ma fille. » Et donc, ça a été une des raisons majeures. Et là, elle touchait, je crois, une corde extrêmement sensible pour les Chinois. C'est déjà le cas pour nous, mais en Chine, je crois peut-être encore plus. C'est d'ailleurs les médias chinois qui avaient déclaré cette époque de « herpocalypse ». C'est les médias chinois qui se sont même eux-mêmes qui ont créé ce mot, tellement c'était dramatique, puisque certaines villes de Chine, on ne voyait pas un mètre. Donc c'était très effrayant pour la population chinoise. Et Hubert Testard, justement, qu'est-ce que vous pensez justement de cet enjeu climatique qui pourrait être aussi un enjeu politique pour Xi Jinping ? Une menace ou en tout cas un danger? Je crois pas que ce soit un risque de très court terme, parce que c'est quand même, là on parle de politique énergétique, on parle de choses qui se situent quand même sur le long terme. Donc la menace, elle est peut-être pas de court terme, sauf s'il y a des catastrophes climatiques qui se produisent en Chine à bref délai. Et ça, c'est pas du tout impossible que ça se produise. Donc je dirais qu'il peut y avoir des accidents climatiques forts qui mettent le gouvernement de nouveau en difficulté. Donc moi, hormis ce risque-là, je ne pense pas qu'il y ait de danger majeur pour Xi Jinping à court terme. Mais par contre, il y a quand même un problème de trajectoire. C'est-à-dire que si la Chine ne parvient pas à modifier sa trajectoire, c'est quand même aussi son potentiel de croissance qui va être en jeu à un moment donné. Et si le potentiel de croissance de la Chine est en jeu, à ce moment-là, le risque pour le Parti communiste est beaucoup plus important. Donc pour moi, c'est que les dix prochaines années quand même, donc je ne raisonne pas à 6 mois ou 1 an, mais à 10 ans, oui, il y a un risque sérieux pour le Parti communiste s'il ne parvient pas à vraiment modifier la trajectoire chinoise. Et je pense que on va voir un signe, parce qu'il y a une bataille en ce moment hein, en Chine, très forte sur ces orientations. Il y a des lobbies dans tous les sens. Le lobby charbonnier se défend à mort, mais on va voir ce que ça va donner dans peu de temps. C'est-à-dire vous verrez d'ici le mois de mars, on aura les objectifs plus détaillés du 14e plan. Et là, on va voir s'il se passe quelque chose ou si on est toujours dans le statu quo. Donc, j'espère que ce qu'on va voir sortir du 14e plan sera plus convaincant que ce qu'on a vu jusqu'à présent.
Et pour terminer, Liu Hongqiao, est-ce que vous attendez, est-ce que vous avez plutôt de l'optimisme sur l'évolution des politiques climatiques de la part de la Chine? Quelle est votre vision pour conclure? To conclude, I think China is indeed leading a lot of climate policies and politics, playing a very active role in international climate politics. However, the ambition, when we talk about the ambition that China's 2060 net carbon goal, for example, is 10 years behind to EU or the United States or a lot of other countries, we can't forget that the context that China is still a big developing country. So I think when we talk about China's leadership or China's advancement on climate policy or its, you know, civil society or what we call non-state players roles such as business or, you know, civil society in all these climate actions, we can't forget the context that China is so dynamic and this advancement can't be cannot be seen as one piece as a whole. You have to look into the different perspective, this different perspectives of it. Ben, je vous remercie. Effectivement, il faut varier les points de vue sur la Chine et sur la question climatique. C'est la fin de cette visioconférence sur la Chine et le climat. Merci à Baptiste Falvoz pour la modération et la réalisation. Merci à Cyrielle Cabot et Sonia Lecomte pour les réseaux sociaux. Merci à nos intervenants, Nathalie Bastianelli, Liu Hongqiao, Hubert Testard et Jean-François Huchet, président de l'INALCO, que je remercie évidemment, ainsi que toute l'équipe de la communication et de l'événementiel. Nous vous retrouvons ensemble avec Asialist et l'INALCO le 15 février pour un nouveau débat totalement différent, mais tout aussi important, évidemment, un débat en visioconférence sur la question du racisme anti-asiatique, ces manifestations récentes. Toutes les infos, évidemment, sur cet événement, à ne pas manquer non plus, vous les trouverez sur le site de l'INALCO, évidemment, sur Asialist, qui est désormais votre site d'information préféré sur l'Asie. Je vous souhaite à tous une très bonne soirée.